C'est quoi un homme? Un homme, c'est beaucoup d'hormones mal placées. Ces hormones, elles sont placées où? Ben, elles sont placées pour que les choses fonctionnent et fonctionnent longtemps. La problématique donc du complexe masculin, c'est qu'on va avoir à la fois des problèmes de vieillissement, je veux dire par là d'érection, mais on va avoir en même temps des problèmes de durcissement de la prostate et on va également avoir des problèmes psychologiques liés au vieillissement et au fait qu'on va devenir de moins en moins, comment dire, compétitif. Mais qu'est-ce que la sagesse sinon la paix du caleçon? La courge, la graine de courge va être un émollient de la capsule prostatique pour la ramollir et faire que les choses vont être moins serrées, moins dures et que tout va être beaucoup plus souple en anticipant pour éventuellement ne pas avoir les PSA qui montent. L'épilobe. Ben, l'épilobe, c'est une plante, la plante de Saint-Antoine, qui est très très connue parce qu'en fait elle est très étagée, avec ses racines qui sont dans l'eau, ses graines qui sont aériennes et ses feuilles qui montent vers le ciel un peu amer et en fait qui constituent quelque part un raccourci de la vie sexuelle de l'homme, qui va de la racine jusqu'au ciel. Hein, l'épilobe est très connu pour ses vertus adoucissantes au niveau. La verge d'or porte bien son nom. La verge d'or est un excellent adaptogène qui va permettre une érection à partir du moment où il va y avoir bien entendu des envies ou des choses comme ça. La sarriette, nous n'en parlerons pas parce que c'est Satureia montana. Satureia, c'est le satyre des montagnes. En fait, c'est le petit truc qui va exciter juste ce qu'il faut pour que tout ça fonctionne si ça doit fonctionner.